господи, j'avais pas vu le chemin de Jésus. Mais ton petit con, c'était la trompée, et la sautée, pour le petit, et son marchand, tout seul l'horizon, pour la déchant, et pour nous attendre, et sur la tombée, choses. Amen. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, yes. Qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ça, c'est mon mot aujourd'hui. Frère Oscar, pasteur Oscar, à part, il a utilisé ce terme-là, ce mot-là, reconnaître. Et frère Josué, pasteur Josué, il a aussi pris ce mot-là, reconnaître. Ah, c'est très important.
Alors, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir quelque chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Vous vous asseoir, frères et sœurs. Mon titre ici, il y a une titre que je dois donner à ce que je l'ai dit, parce que je suis un prédicateur, moi. Parce que Frère Bruno nous dit que la prédication n'est pas tout à fait la parole. La prédication ce n'est pas la parole, tout à fait la parole. Mais on n'a pas le temps, on peut donner une citation pour dire cela. Pourquoi nous allons commencer par lui, Frère Bruno. Par une citation, pourquoi je dis ceci? Que la prédication n'est pas du tout la parole d'après Frère Branham. Nous sommes dans le message, l'épître aux Éphésiens est comparable à Luc, paragraphe 6. Il dit ceci, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que le problème que nous avons, nous qui parlons de la parole. Nous tous, nous sommes là chaque fois, nous prêchons la parole. Nous faisons ceci, cela. Mais nous allons lire ce que Frère Branham nous dit concernant cette chose-là. Nous sommes au verset 6 des Épîtres aux Éphésiens. Enseigner la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant, comme on dit. Mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes, et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Continuons. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, Frère Bilaire, l'enseignement va plus loin. Oui, voilà. C'est un peu particulièrement pour l'Église. Or, généralement, la prédication va attraper les pécheurs, les culpabiliser. Vous voyez l'importance de la prédication? C'est pour attraper les pécheurs, les culpabiliser par la parole. Donc, la prédication, c'est amener. Culpabiliser les pécheurs en disant que vous êtes perdus, vous, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Hein? Vous avez fait ceci, vous avez fait cela, répandez-vous. Amen. Amen. Mais maintenant, dans les cas où nous sommes, parce qu'aujourd'hui, je vois que nous tous, nous sommes des croyants du message. Nous sommes des croyants des Malachie 4. Amen. Amen. Il dit, mais l'enseignement place l'homme. Amen. Amen. Côté position. C'est qu'il est. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Nous ne pouvons pas avoir une foi correcte si nous ne savons pas ce que nous sommes. Tout à l'heure, le pasteur Josué a dit quelque chose de formidable. Il dit que nous sommes la ville sainte. Nous sommes la Jérusalem d'en haut. Amen. Et que toutes les nations devaient apporter les honneurs à la ville sainte. Amen. Mais tant que nous n'enseignons pas la parole, nous n'aurons pas la foi correcte. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Chaque jour, nous sommes dans notre champ. Ne faites pas cela. D'après ce que nous faisons, les gens ne croient pas le message. Parce qu'il faut les amener chaque jour qu'ils se répandent. D'après Frère Bonhomme. Mais ce que nous devons faire, c'est pour cela. Rarement qu'on prenne un séjour, qu'on prêche cela un jour. Je n'ai jamais prêché quelque chose un jour. Nous prenons toujours notre temps. Prendre les détails. Parce que la Bible nous parle, et quand ce livre sera ouvert, la connaissance augmentera. Or, la connaissance ne peut pas augmenter par la prédication.
Voilà. La connaissance, parce que quand on parle de la connaissance, on doit étudier. En étudiant la chose, nous aurons la compréhension claire de la parole. Parce qu'il est dit dans les Écritures que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Si vous voyez un endroit ou bien quelqu'un qui a une confusion par rapport à la parole, de ce qu'il n'est pas bien enseigné. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la mer de cristal. Nous ne sommes pas dans une mer mélangée. Nous ne sommes pas dans une mer de boue. Nous sommes dans une mer de cristal. La parole est devenue claire. Très claire. Aujourd'hui, nous sommes dans les 2 plus 2 égale à 4. Ce n'est pas empêtré. Je pense que non. 2 plus 2 égale à 4. Mon titre, ouais, c'est ça ce soir. Vivre en harmonie avec son temps. Comment j'ai ce titre-là? Je suis allé chez un tailleur pour me faire un pantalon, pour arranger mon pantalon. Je lui ai demandé qu'il me fasse des regards de 6 cm. Et monsieur, il n'est pas jeune. Il m'a dit, monsieur, ça s'est dépassé. L'histoire des revers là, c'est dépassé, on ne dit même plus ça. Je dis, ah bon. Alors, je lui ai dit, écoutez, comme je ne veux pas être du passé, je vais être du présent. Je dois être en harmonie avec mon temps. Et quand j'ai vu mon grand frère, frère Jean de la Croix, quand je l'ai aperçu de loin, j'ai dit que les grands frères sont dans les temps. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, vous remarquerez que tous les jeunes ont la barbe. Amen. Et j'ai vu mon grand frère là, avec cette barbe-là, j'ai dit, correct. Attends. Vivre en harmonie avec son temps. Amen. Yes, sir. Nous devons vivre en harmonie avec notre temps. Mais pour vivre en harmonie avec notre temps, nous devons reconnaître les temps dans lesquels nous vivons. Sans reconnaître les temps, sans savoir les temps que nous sommes en train de vivre, nous ne pouvons pas être en harmonie. Parce que toi, tu vas commencer à mettre des pantalons et des fonds, alors que c'est venu depuis longtemps. Il y avait un frère, lui, il achetait toujours des chaussures qui ont des bourrons là. Pour lui, c'était ça les meilleures chaussures. Mais un jour, il est allé dans un magasin, il a vu les chaussures avec des bouts pointus là, il a acheté, il a dit, ah, tout ce temps, je ne savais pas que c'était ça la mode. Donc, il a passé son temps avec les chaussures avec des bourrons là. Donc, les gars qui étaient jeunes, ils devenaient comme un vieux. Vous voyez? Parce qu'il vivait hors de son temps. Hors aujourd'hui. Même pour adorer. Nous devons savoir dans quel temps que nous sommes pour adorer. Amen. Comment adorer? Quel Dieu adorer? Amen. Parce que si vous adorez dans l'âge de l'Odyssée, comme l'a dit le pasteur Josué, vous adorez un démon, le diable même. Vraiment. Quand vous prenez cette photo de Hoffman, vous avez ça dans votre image, vraiment. Sachez que vous êtes des idolâtres. Amen. Depuis le temps de Jésus, quand il s'est retrouvé devant la femme au puits, mais nous n'avons pas de relation entre vous et nous. Vous adorez à Jérusalem. Nous, nous adorons sur la montagne. Écoutez la réponse de Jésus. L'heure vient. Et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, toute personne qui adore Dieu dans la chair humaine, c'est un idolâtre. Or, les idolâtres ne mériteront pas le royaume des cieux. Correct? Amen. Qui toque? Et alors encore. Mais. Ok, je suis dans reconnaître votre jour et son message. Parce que c'est ça les grands problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous devons reconnaître, savoir d'abord quel jour. Nous sommes dans quel jour? Et quel message faut-il dans ces jours-là? Parce que ça, il y a beaucoup de confusion parmi nous. Nous amenons des choses des âges passés dans cet âge-ci. Alors que nous tous, nous confessons que les âges de l'Église sont finis. Et que nous sommes dans l'âge de l'épouse.
Amen. 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 Et que nous sommes le huitième jour. Et que nous sommes de ceux qui sont du troisième exode. Or, frère Branham nous dit que le huitième jour, il n'y a pas de choses littérales. Amen. Maintenant, nous voulons servir Dieu dans le huitième jour avec des choses littérales. Amen. Donc tu ne vis pas dans ton temps. Tu es un vieillard. Amen. Tu vis dans les maisons des hommes, des personnes sachées. Tout est de tout temps. Vas-y, frère. Maintenant, reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 24, 25. Frère, j'ai une minute. Ok. Maintenant, mon sujet ce matin, c'est reconnaître votre jour et son message. C'est très important. Reconnaître notre jour et le message qui va avec. Parce que si tu ne reconnais pas les jours, ou bien tu reconnais les jours, mais il y a un message de notre jour. Ça ne marche pas. Disons ce programme. Maintenant, mon sujet ce matin. C'est écrit là-bas, c'est pas la biographie là. Ouais, ouais. Ok. Maintenant, mon sujet ce matin, c'est reconnaître votre jour et son message. Nous avons vu dans la leçon de dimanche passé. Nous avons enseigné sur la fête des trompettes. Et je veux attirer votre attention maintenant sur les temps d'Israël, selon l'horloge des dieux. En passant par parlant d'Israël, nous savons que nous tous nous savons que Israël n'a jamais été une nation. Voilà. D'accord? Et le Seigneur se réfère à Matthieu chapitre 24. Si vous verrez quand les oliviers vont mourir, sachez que je suis à la porte. Donc, comme référence que nous avons pour la venue du Seigneur, c'est Israël. Depuis plusieurs milliers d'années, Israël n'était pas une nation. Or, aujourd'hui, nous tous, nous sommes là. Nous pouvons payer un billet d'avion, aller visiter Israël. Le pasteur l'a dit d'ailleurs qu'il était en Israël. Donc, les premiers ministres, si vous ne savez pas, c'est Netanyahu. Donc, en Israël, ils ont un drapeau depuis 1946. N'est-ce pas? Or, la Bible nous dit que cette génération-là, qui verra Israël devenir une nation, cette génération ne passera pas quelque chose que le Seigneur soit là. Frère Branham a fait des calculs simples. Oui. Même les enfants de l'école primaire peuvent faire ça. Oui. Frère Bonhomme nous a enseigné qu'une génération est égale à 40 ans. Officieusement, Israël était une nation depuis 1946. Curieusement, les jours que Israël devient une nation, l'ange de l'Éternel visite le peuple Branham. Lui donna sa commission. 1946, calcul mental vite fait. 1946 plus 40, 1986. Frère Branham nous dit, amen, entre 1933 et 1977, au milieu là-bas, Jésus-Christ doit être là. Amen. Frère, je n'ai pas besoin d'aller au séminaire, non. Je n'ai pas besoin d'aller jeûner. Non. Pour savoir que le Seigneur. Frère, je veux jeûner pour que le soleil luise. C'est bête, c'est ridicule. Donc il suffit seulement que je sache faire un peu du calcul. C'est tout. Hein? C'est tout. Ouais. Easy. Parce que nous croyons que Frère Branham, c'est les prophètes. Or, les prophètes, c'est l'absolu. Il nous fait que Paul a dit. Que pour vous, vous ne serez pas des étrangers, mais pour que ces jours vous trouvent dans les ténèbres, quelque chose comme cela. Donc, parce qu'il y a quand même il y a des données qui sont là. Amen. Quand vous attendez un roi et qu'on envoie les protocoles, vous voyez déjà les quoi motorisés là. Avec, vous savez que le roi est là. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Est-ce que c'est compliqué? Non. Mais mes frères et sœurs, nous sommes en 2016. C'est là que c'est passé il y a deux générations. Oui. Alors, maintenant, pourquoi nous faisons ces choses? Pourquoi nous croyons ces choses? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand nous ajoutons 88 bien 77, le frère Bonhomme a dit,
hein, que ces choses doivent se passer, il a la Bible dit hein, que si ces jours n'étaient abrégés, même les ennemis pouvaient être séduits. Frère Branham est clair, il dit que l'année de calendrier que nous avons a une avance de 17 ans. Oui. Calculé. Oui. Quelque chose comme cela. Si nous réduisons cela, nous allons tomber sur la date de cette année-là. La venue du Seigneur. Ouais. Pourquoi nous faisons ces choses? Pourquoi nous disons ces choses? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Si cette chose-là ne s'était pas passée, on n'allait pas dire ce que nous disons. On n'allait pas prêcher ce que nous prêchons. Nous n'allons pas croire ce que nous croyons. Mais comme il y a un événement qui s'est passé, c'est pour cela que, parce que cet événement-là amène beaucoup de choses. C'est bien beau de dire que nous croyons la venue du Seigneur. C'est très bien. Mais nous pouvons prendre par les Écritures, démontrer que ces gens-là ne croient pas la venue du Seigneur. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous dit que les septièmes sont amène Jésus-Christ sur la terre. Frère Branham nous dit que, amen, Jésus est le précurseur de la parole qui devait venir, hein, qui est Christ en lui, il y a des milléniums. C'est-à-dire que quand Christ vient, il amène les milléniums en lui. Amen. Correct. On se stoppe d'abord là-bas. Continuons. Nous avons vu dans la leçon du dimanche passé, nous avons enseigné sur la fête des trompettes. Et je veux attirer votre attention maintenant sur le temps d'Israël, selon l'horloge de Dieu. Parce que l'horloge de Dieu n'est pas les Congo. Non. Nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école du dimanche. Je veux que vous preniez conscience et que vous reconnaissiez le temps où nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous, comme vous le voyez. Et alors, par là, vous devrez reconnaître avec précision l'heure et le temps et les signes et les messages que vous devez recevoir. Pourquoi les disciples-là étaient dans la confusion? Pourquoi ils ont posé la question à Jésus? Parce que les disciples ne comprenaient pas. Mais toi, Jésus, tu es là. Mais la Bible nous dit que, avant que le Messie puisse venir, il doit y avoir d'abord Élie. Amen. Oui. Mais les disciples ont compris que c'est toi le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Parce qu'avant que toi tu viennes, il doit y avoir quelque chose hein, pour annoncer ta venue. Le plan. Exactement. Amen. Et Jésus a répondu. Il est vrai que, faisant allusion à Malachie 4, parce que quand on parle de Malachie 4, du premier verset jusqu'au premier et jusqu'au sixième verset, c'est Malachie 4 différent de Malachie 3. Malachie 3, on parle de Jean-Baptiste. Dans Malachie 4, tout se passe dans Malachie 4. Avec les messagers de Malachie 4. Ramener le cœur du père aux enfants et le cœur des enfants au père. C'est Malachie 4 qui le fait. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Frère, le problème c'est quoi? Jésus a dit, mais il est déjà venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. L'histoire c'est de reconnaître. Parce qu'il faut d'abord, pour adorer, il faut d'abord reconnaître quel Dieu que toi tu vas adorer. Amen. Comment adorer ce Dieu-là? Amen. 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 C'est très important, frère. Parce que vous allez passer des journées, des nuits de jeûne et de prière, en fait, pour rien. Parce que, premièrement, vous priez un faux Dieu, et ce Dieu-là n'écoute pas votre prière. Amen. Donc vous perdez du temps, au lieu de dormir, récupérer un peu à cause de ce travail que nous faisons, tu vas jamais prier pour rien du tout, parce que Dieu ne t'écoute pas, parce que toi tu habites dans des maisons des personnes âgées. Voyez? C'est ça le problème avec les églises. C'est pour cela que nous maudissons les églises, quelles qu'elles soient. Frère Madame dit, une seule chose que l'Église peut faire pour toi, c'est t'empêcher d'avancer. Mais ce qui est bizarre, je ne comprends pas. Les gens aiment les églises qui les empêchent d'avancer. Amen. Les gens aiment les églises plus que Dieu. Amen.
Les gens aiment le pasteur plus que Dieu. Amen. Alors que c'est que la chose qui tient là, ça t'empêche d'avancer. Voilà. Et le frère l'a bien dit, la parole n'est pas statique. Non. La parole marche toujours. Dieu n'est pas un Dieu que j'étais ou bien je serai. Dieu est je suis. Amen. Et la manne, c'était manger les mêmes jours. Remarquez, Dieu a promis aux enfants d'Israël que je vais vous donner une terre promise, un pays où coule le lait et le miel. Curieusement, quand ils sont partis là-bas, il n'y avait pas de robinet. Non, non. Mais frère, la Bible dit que les pays que je vous donne, ces pays-là, le miel et le lait coulent là-bas. Donc quand ça coule, ça doit peut-être avoir peut-être des rivières ou bien des robinets. Comme ça, quand toi tu fais, tu as tellement faim, fatigué, tu ouvres le robinet, tu prends du lait. Mais quand ils sont allés là, il n'y avait aucune rivière de lait. Il y avait même la guerre. Hein? Il n'y avait rien. Il fallait combattre. Alors que quand ils étaient dans le désert, Dieu préparait la nourriture pour eux. Mais cette nourriture-là s'est arrêtée avant la traversée du Jourdain. Amen. Amen. Vous voyez, nous devons reconnaître d'abord le jour dans lequel nous vivons, et puis nous allons faire ce qui va avec. Si je suis dans le huitième jour, je dois faire, excusez-moi. Amen. Si je vais à l'école lundi, je dois amener les matières de lundi. Si tu amènes la matière de mardi, les professeurs vont te chasser. Tu es hors sujet. Tu es hors connexion. Tu ne peux pas appeler. Quand tu vas à l'école, à la classe, tu dois amener la matière du jour. Frère, nous ne sommes pas là pour défendre quoi que ce soit. Nous défendons la parole et non une doctrine quelconque. Excusez-moi les termes, je suis comme ça. Nous nous en foutons totalement, royalement des doctrines. Mais ce qui nous intéresse, la parole. Amen. Parce que nous devons reconnaître notre jour. Amen. Et le message qui va avec pour que je sois à l'aise dans ma marche. Amen. 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 Curieusement, ce qui est très curieux, hein, dans nos églises, nous sommes dans le huitième jour, mais nous vivons dans le septième jour. Nous sommes dans le huitième jour, nous vivons dans le sixième jour. Frère, les problèmes avec Jésus et les pharisiens, c'était quoi? C'est que les pharisiens devaient reconnaître que le Messie était là. Ah, pendant que les prédicateurs se promenaient dans les églises, sanctifiez-vous. Amen. Pendant que les prédicateurs étaient là dans les églises, baptisant les gens. Pendant que les prédicateurs étaient là dans les synagogues, disant aux jeunes filles de mettre les longues jupes. Pendant que les prédicateurs étaient là pour aller sacrifier. Amen. Mais Jésus était là, le Messie qu'ils attendaient. Amen. Et ils ne l'ont pas reconnu. Amen. 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 Les problèmes, quand Jésus est venu, il n'est pas venu parler aux voleurs. Que vous êtes des voleurs, ne volez pas, non. Il a parlé aux religieux de les reconnaître que lui, de reconnaître Amen. Les jours qu'ils étaient en train de vivre. Amen. 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 Rabe la prostituée. On l'appelle Rabe, on l'appelle Rabe la sainte. La prostituée. Disons Amen. 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 On l'appelle pas Rabe la sainte. Non. On l'appelle Rahab la prostituée. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle était une prostituée professionnelle. Pour elle, quand elle a vu cet homme-là, c'était une chance pour elle. C'était le client du jour. Amen. Amen. Mais quand elle a reconnu que ce n'était pas des clients du jour, elle a reconnu que c'était des serviteurs de Dieu vivant, son sort était scellé. Amen. Parce que Rahab a reconnu les jours qu'elle vivait et les messages de son jour. Amen. Amen. La femme au puits, encore une prostituée. Yes. Ce qui est bizarre, dans la Bible, on parle plus de prostituées que de saints. Oui. Ce qui est bizarre, dans la Bible, on parle souvent des gens de mauvaise vie que des saints. Ce qui est bizarre, c'est que Esaü et Jacob, Dieu a aimé Jacob avant qu'il soit né. Alors qu'Esaü, c'est le bon. Oui, oui. Alors qu'Esaü, c'est un homme pur.
Alors que Esaü c'était un religieux, mais Dieu l'a haï. Parce que Jacob, ça signifie un trompeur. Ouais. Et vous remarquez, frère Branham dit que ne faites, si vous faites des affaires, ne faites pas des affaires avec des juifs. Ouais. Parce qu'ils ont hérité l'héritage de leur papa qui est Jacob. Des voleurs. Ouais. C'est ce que les juifs sont. Amen. Amen. Dieu, bizarrement, il choisit les voleurs. D'ailleurs, il a eu les problèmes par politique. Oui, oui. Hein? Il a vu la politique, et il a les problèmes, et Dieu l'aime. Il a menti. Frère, nous ne sommes pas là pour dire quoi que ce soit. De toute façon, je m'en fous. Dites tout ce que vous voulez. Ce n'est pas mon problème, frère. Nous devons défendre la vérité. Et la vérité restera toujours la vérité. Amen. 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 Pendant que tous ces prédicateurs se poumonnaient, faites ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, Jésus s'en foutait de ces gens-là. C'est vrai. Le problème, c'est qu'il fallait qu'ils reconnaissent d'abord le jour et la personne qui était là. Amen. Amen. Parce que si vous ne reconnaissez pas, vous ne reconnaissez pas le jour. Et vous ne reconnaissez pas le message du jour, vous êtes hors sujet, frère. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Priez toute la journée. Faites tout ce que vous voulez. Dieu ne vous écoute pas. De toute façon, les frères, les pasteurs, l'ont dit ici. Hein? Quand Israël devient une nation, frère Abraham dit que Dieu cesse. Avec l'église des nations. Donc Dieu ne traite plus avec l'église des nations. Frère, c'est fini. Oh, moi j'ai la nostalgie de prières. Très bien. Parce que les gens vivent dans la nostalgie. Nous avons des prédicateurs nostalgiques. Nous avons des croyants nostalgiques. Nous sommes dans un temps où nous devons vivre selon l'heure, selon l'âge, selon les messages d'aujourd'hui, les messages du 8e jour. Parce que dans le 8e jour, nous n'avons pas besoin d'un prophète. Yes. C'est juste. Exposé les anges de l'église, page 230. 2 Pétre, pour quelque chose comme ça. Quand le Seigneur Jésus viendra, il nous parlera lui-même. Il nous donnera son message de consolation, d'encouragement. Amen. Parce que dans le 8e jour, c'est l'épouse et l'époux. C'est l'union invisible des frères. Le problème, c'est que les titres de prédication des frères Branham, en fait, les gens s'en moquent. Pour simplement montrer que nous ne croyons pas les messages. Ne nous voulons pas la face. Nous sommes entre nous. Hein? Nous montrons simplement que nous sommes des incrédules. Frère, quand Frère Adam dit que Dieu cesse avec l'église des nations, parce que quand il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 3, que l'Odyssée a mis Dieu dehors, Frère Adam dit qu'il n'a pas été écrit qu'il est devenu. Non. Mais comment nous faisons? C'est ce qui se passe. C'est écrit que la Odyssée a mis Jésus-Christ dehors. Mais nous, parce que nous sommes des. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, quand on écrase même un chat, hein, les chats, oh, les sangs, oh, c'est, oh, frère. Non, c'est quoi ça? Au lieu d'être d'avoir pitié de ton sang parce que tu vis au âge, non, tu as pitié du chat. C'est comme le chat va t'amener de l'argent. Tu dois avoir pitié de l'état du temps que tu es en train de vivre. Tu dois avoir pitié de la confusion que tu as dans ta tête. C'est ça. Parce que, frère, nous disons que nous sommes plus, nous perdons, nous sommes plus de la confusion. Frère, nous sommes pleins de dents. Parce que nous mélangeons les choses. Continuez, frère Branham. D'abord ici. La voix d'ici. Hein? Vivre en harmonie avec son âge. Amen. 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 Si toi tu vas continuer à vivre avec des pattes d'éléphant, ben continue à se moquer de toi. Hein? Si tu es comme nostalgique des deux chevaux, tu vas chercher des deux chevaux, mais moi je vais prendre ma voiture, on va faire l'autoroute. Ah oui. Frère Branham dit que dans les années 50, il y avait un scientifique français qui avait dit que si on lançait un objet à 50 km à l'heure, cet objet-là va s'envoler.
aujourd'hui c'est caduque. Parce qu'aujourd'hui, il y a des voitures qui roulent à plus de 1000 km à l'heure, ces voitures ne s'envolent pas. Donc on ne peut plus se référer à des choses du passé. C'est du cabot comme le frère l'a dit. Amen. Amen. Et exact. Nous devons télécharger. Vraiment. Nous devons nous mettre des mises à jour. Parce que frère, la frère madame dit que la science se développe et la parole doit se développer. Écoutez les gens du message. Les frères du message, ce qu'ils ont dit, que nous sommes des astronautes. N'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des astronautes, nous sommes des drones. Drones. Yes, sir. La science se développe, frère. Yes, sir. Un astronaute, frère, il meurt. Combien ils sont morts? Yes. Qui étaient dans les fusées là? Mais aujourd'hui, des drones, je suis aux États-Unis. Ouais, ouais. Je pose avec ma femme et ma chambre. J'ai un petit appareil, je tue les gens ici. Amen, amen. Vous pouvez attaquer les drones. Amen. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne mourrez jamais. Yes. Ça, c'est merveilleux. Nous avons des téléphones, n'est-ce pas? Yes. Hein? Oh, moi, je suis enlevé. Tu es enlevé, d'accord, ok, d'accord. Mais tiens ton âme, oh, d'accord. Oh, moi, non, moi, j'ai mon âme, moi, je suis enlevé, d'accord, ok. Ok, c'est bon. Ah, combien d'âmes a une personne? Une seule âme. Nous avons combien d'âmes? Parce que nous disons, nous prêchons, que les âmes ont été enlevées. Hein, donc, c'est-à-dire que, si je suis enlevé, mon âme a été enlevée. Hein, c'est correct? Oui, correct. Amen. Ok. D'accord. Aujourd'hui, on peut prendre un téléphone. Où est Priscille? Priscille a un téléphone, elle n'a pas de carte SIM, mais elle téléphone. C'est bizarre. Priscille a un téléphone, elle n'a pas de carte SIM, mais elle téléphone. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de carte SIM pour utiliser un téléphone. Frère Bernard nous dit une chose, il est 10 ans. Jean chapitre 16, que quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera. Or, rappeler, c'est quelque chose qui est dans les mémoires. Vous qui connaissez l'anglais, allez lire dans la demeure future, paragraphe 241. Frère Branham utilise que nous avons des mémories, des mémoires. C'est gravé dans notre mémoire. Comme le pasteur l'a dit aujourd'hui, il a dit quelque chose de très important. Amen. Amen. Il a dit... Il a dit quelque chose, frère, bon, je vais résumer de cette chose-là. Frère Alain nous dit que aimer Jésus, c'est bien, mais c'est diabolique quand même. Aimer Moïse, c'est ce que le frère a dit, n'est-ce pas? C'est diabolique. Mais frère Alain nous dit, il y a une seule chose qui fait peur au diable. C'est quand toi tu dis au diable, que moi et Jésus, nous sommes la même chose. C'est ça. Et frère, on nous dit une chose. Quand vous sentez la présence de Dieu, question réponse 1954, paragraphe 264, il dit, quand vous sentez la présence de Dieu, c'est vous-même dans votre état glorifié. Amen. That's all right, c'est juste. Quand vous sentez la présence de Dieu, c'est vous-même dans votre état glorifié. Nous avons parlé du temple du millénium. Mais pourquoi le temple du millénium a été fait? Quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas une comédie. Quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas une maboké. Quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas des sketchs. Dieu fait des choses pour des buts. Le but même du temple de millénium, c'est pour créer des corps glorifiés. Parce que frère, la résurrection, si nous croyons que la nuée est venue, si nous croyons la venue du Seigneur, la nuée de gloire, il y a la résurrection. Yes. Amen. Amen. Nous allons développer ça après. Continuons simplement. Cette soirée, bien, voici ce que je pense, je suis dans ma voie d'ici. C'est dans moi de connaître la parole de Dieu, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas avoir la foi tant que nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu. Et alors là, si nous savons que quelque chose est la volonté de Dieu, que la parole de Dieu le dit, alors nous pouvons nous y conformer avec joie. Amen.
pour avoir la foi, il faut d'abord avoir la volonté de Dieu. Et ça, quand nous avons la volonté de Dieu, nous devons nous conformer à cette volonté de Dieu. Continuons. Or, si le Seigneur Jésus en personne marchait sur terre ce soir, dans une chair humaine, et qu'il disait, demain il va pleuvoir toute la journée, alors il serait très facile pour moi de prendre un parapluie pour sortir demain matin. Voilà. Frère, parce qu'on m'a averti que demain il y aura la pluie. Je prendrai tout ce qu'il me faut pour me protéger. Maintenant, si toi tu sors, hein, parce que tu fais semblant de ne pas entendre, tu sors comme ça, tu vas te mouiller, ne pleure pas. Quand on dit qu'il va faire moins 10, et que toi tu dis que oh, moi je suis en Dieu foi, et que tu sors, tu attrapes une pneumonie, à la faute à qui? Après tu vas prier. Dieu guérit-moi. Alors qu'on t'a averti que demain il fera moins 10. Donc c'est fait, ce qu'il fallait faire, c'est prendre un manteau. C'est se vêtir des habits chauds pour te protéger. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes du troisième exode. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous sommes dans le huitième jour. Nous sommes dans l'éternité, frère. Parce que, merci sœur, parce que frère, on a dit que nous sommes dans l'éternité réelle et authentique. Donc quelque chose de réel, frère. Il n'y a pas d'inspiration à donner là-dessus. Je ne peux pas expliquer le réel. C'est comme quand, quand le Seigneur Jésus-Christ me dit que quand vous êtes en Christ, vous êtes réellement libre. Donc, quelque part, il y a une fausse liberté. Amen. C'est vrai. Mais quand on est en Christ, on est réellement libre. C'est-à-dire libre des pasteurs, libre des églises, libre de toutes ces choses qui s'en suivent. Amen. 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 Le problème, c'est que très bon homme, il a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Je ne vous ai rien caché. Rien caché. Mm-hmm. Très bon homme nous a dit tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Pour vivre dans notre jour. Mais nous, comme nous sommes des grands incrédules, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Comme nous sommes, parce que le péché, c'est l'incrédulité. Ne me dites pas que la liberté, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Et c'est un péché plutôt. Ne me dites pas ça. Ah oui, il y a des gens qui sont là. Ah oui, vraiment l'adultère, oui. L'adultère, ce n'est pas un péché. Mm-hmm. Voler n'est pas un péché. Mm-hmm. Amen. Amen. Hein? Mais vous faites cela parce que vous êtes des incrédules. Ah oui, voilà. Amen. Amen. Parce que tu es incrédule. Ouais. Voilà, frère. C'est parce qu'on est incrédule. Mm. C'est pour ça que vous faites des vraies fausses choses. Voilà. Amen. En fait, Amen. Et tout cela, la militaire, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des conséquences. Voilà. C'est quoi, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Comme aussi, il y a des conséquences de la seconde venue. Amen. 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 Comme aussi, il y a des conséquences dans le millénium. Amen. C'est correct. Ah, non, non, quand on parle des conséquences de l'incrédulité, c'est bon. Non. Et quand on parle des conséquences de la seconde venue, ça devient un problème. Non. Vas-y, frère. Parce que chaque chose, Dieu fait, chaque chose que Dieu fait, c'est pour un but. Amen. Frère, Dieu n'est pas pour nous. Dieu, quand tu fais quelque chose, parce que Dieu a un plan. Il y a des maçons bricoleurs. Vous savez, il y a des gens, parce qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent, pour engager des ingénieurs, des architectes, ils essayent de construire leur propre maison. Mm. Mais le problème, c'est qu'au bout de quelques jours, parce que ça ne fait pas des années, ça s'écroule. Frère Homme dit qu'il avait un frère dans son église, amen, qui était architecte. Et il y avait un monsieur, amen, qui voulait construire une maison. Et ce monsieur est venu voir cet architecte, lui le monsieur, il voulait une maison selon lui. Il a fait son propre plan. Mais comme il n'était pas architecte, il fallait qu'il aille voir un architecte. Il a dit, moi je vais partir en voyage. Je veux une maison. La parcelle est là, voici mon plan. Mais le problème avec cet architecte, c'est parce qu'il est parti à l'école. Il a, quand il a regardé le plan, il a dit que d'après ce que j'ai étudié, le plan là est faux. Je dois les corriger parce que je suis du métier. Sinon, mes collègues vont se moquer de moi. Voilà. Quelque part, il avait raison. Il avait l'expérience.
Il avait les qualités, les qualités. Alors, il a construit la maison, non selon les plans des clients, mais il a construit la maison selon son propre plan. Amen. Et les messieurs, quand tu es venu, déjà 30. D'accord. Ok. Quand le monsieur est venu, il est allé voir la maison. Il a regardé, il a dit, non. Il est allé voir le monsieur. Monsieur, vous avez bien construit la maison, mais le problème c'est que tu ne l'as pas construit selon ce que j'étais dans moi. Alors, si tu veux être payé, détruis d'abord la maison. Après, reconstruis ça selon mon plan. Regardez d'abord les dépenses et les pertes. Oh, yeah. Si l'architecte avait construit la maison, selon les plans qui lui a été donné, il n'allait pas avoir de problème. Mais il fallait qu'il dépouille la maison et reconstruise la maison selon ses propres frères. Et c'est ce que nous qui parlons de la parole faisons aujourd'hui. Parce que nous avons été enseignés depuis l'Église catholique que Jésus viendrait dans les airs, qu'une trompette sonnera. C'est ce qui est bizarre. Dans l'internet aujourd'hui, ils ont vu que les trompettes ont sonné en Israël. Mais les trompettes, alors c'est quand même plus qu'il y a des sons de trompettes qui vont retentir. Et les sons de trompettes qui vont retentir à Jérusalem, ils attendent toujours Jésus. Mais ils ont des sérieux problèmes. Parce que la Bible dit qu'il y a des trompettes qui viennent du ciel. Et réellement, quand vous écoutez, vous verrez, regardez cette vidéo-là, vous allez entendre des sons bizarres. Maintenant, ceux qui attendent les trompettes sonnent, ils ne parlent plus. Oh. Les problèmes, quand tu vas chez un couturier, parce que nous avons toujours l'habitude d'acheter des prêts à porter, alors on peut faire sur mesure, c'est pas cher, n'est-ce pas? Voyez-vous? Alors, quand tu vas voir un couturier, qu'est-ce qu'il fait le couturier? Il prend un tissu, un très bon, beau tissu. Il va poser parce qu'il a, les couturiers, s'il y a quelqu'un ici qui sait coudre les habits, c'est ça, c'est le patron. Ce sont des coupes préfaits. Il va faire quoi? Il va prendre ses beaux tissus. Il va poser son patron dessus. Il va couper les tissus. Amen. Amen. Ce qu'il a besoin. Et le reste, là, bien que les tissus soient beaux, il va jeter cela. Amen. Et les Aïrois, les Congolais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des soba-soba. Ils vont prendre les tissus là, les restes là. Amen. Ils vont mélanger ça, on appelle ça Kisoba-Soba. Mais n'est-ce pas? C'est ce que les gens font de Kisoba-Soba. Parce que, au lieu de prendre les tissus principaux pour faire les habits, mais ils préfèrent prendre les Kisoba-Soba. Et même ils sont devenus des Kisoba-Soba. Amen. Et c'est ça la parole, frères et sœurs. Parce que la parole, le prophète a dit, mais le prophète a aussi dit. C'est la raison pour laquelle nous devons reconnaître les jours de son message. Amen. Parce que quand tu vas prendre les choses de l'église de l'Odyssée, amener cela dans l'élevage de l'épouse, ça ne marchera pas, ça serait qu'il sauve à soi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des églises qui sauvent à soi. D'ailleurs, Jésus n'avait pas tort de dire à ses disciples de Emmaüs, on paie l'intelligence. Donc ça signifie élexique, mais nous avons sauvé. Non, mais c'est ce que je ne sais pas comment dire. Vous allez voir, ces disciples-là qui revenaient de Maus. Parce qu'ils promettent quoi? Jésus leur avait dit que dans 3 jours, je vais résister toutes ces choses-là. Mais 3 jours seulement se sont passés. Et ils commençaient à se plaindre. Parce que le problème avec ces gens, c'était quoi? C'était la colonisation. Et ils croyaient que Jésus, quand il est venu, il allait mettre fin à la colonisation. Mais c'est Messie, en qui nous espérions en lui. Parce qu'aujourd'hui, les églises, frère, même soit les... Bon, parce que moi, les églises de message, je les ai fait comme ça. Les églises de message, ils prêchent encore l'espérance. Ils prêchent l'espérance. Là, c'est bon pour les cathos, frère. Mais les cathos, c'est les catholiques. Ce sont eux qui espèrent. Espérons que Jésus viendra. L'espoir fait vivre. Nous ne sommes pas de l'espoir, nous sommes de la foi. Amen. Parce que la foi, c'est la révélation. Amen. Moi, je ne prêche pas l'espérance, frère. Non. Je ne parle pas de l'espérance. Je parle de la foi. La foi, c'est une révélation, frère. Amen. C'est ça la chose. Frère, dans toutes les choses que nous faisons, que nous allons faire dans les jours à venir, nous devons faire cela selon les jours dans lesquels nous vivons. Amen. Si tu es dans l'âge de l'épouse, vis dans l'âge de l'épouse, sur tous les plans. Ne nous amène pas des kisoba-soba. Parce que nous ne sommes pas de la soba. Nous allons te suivre. Si toi, les pasteurs, tu es sauva-sauva, toi-même, tu es sauva-sauva. Amen.
l'église, amène des zomazomas avec toi-même. Nous n'allons pas suivre les zomazomas. Amen. Parce que nous avons les yeux ouverts. Amen. Nous voyons. Amen. Et nous avons vu. Amen. Et nous avons cru. Amen. Et nous avons compris. Amen. Et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Mais salut quand même. On va donner du sol. La paix est la parole. Amen. Moi j'ai appelé le bulldozer du 8e jour. Lui c'est comme ça, c'est un tracteur. Quand il vient, c'est pour préparer la terre quoi, pour la nouvelle semence. Amen, amen. Amen. Vous savez, son titre, c'était « Vivre en harmonie avec notre temps », c'est ça? Amen. Amen. Le frère Branham a toujours dit que si vous prenez le message de Moïse et que vous le donnez à Noé, amen, ça ne marcherait pas. Donc si Noé, Moïse commence à construire l'arche, c'est compliqué, frère. Ou si Noé prenait un bâton. Comment est-ce que les gens seront sauvés du déluge? C'est impossible, n'est-ce pas? Le frère Branham dit que l'âge des gentils a commencé par l'adoration d'un homme saint qui était Daniel. Il dit dans cet âge, amen, au temps de la fin aussi, l'âge des gentils finira de la même manière. L'adoration d'un homme saint. Vous connaissez l'homme saint, Virgile, Jésus. Une image à adorer. Vous savez, le serpent des reins. Jésus était l'archétype du serpent des reins, n'est-ce pas? Et dans le désert, lorsque Dieu éleva le serpent des reins, les gens ont commencé à adorer. Ok? Je parle de l'homme. Les gens ont commencé à adorer. Comme c'était devenu une adoration, n'est-ce pas? Dieu a dit, détruisez-moi ça. On devait détruire les serpents des reins. Amen. Parce que Dieu avait perdu la communion avec l'homme. La rédemption est venue nous rétablir en relation avec Dieu. Parce que le frère Branham nous dit que pour la date élue, cet enlèvement n'est qu'une libération. Amen. Frère, si vous êtes un prédestiné, c'est-à-dire que vous êtes éternel, vous n'avez ni commencement ni fin. Même Paul était éternel. Moïse était éternel. Mais seulement qu'au temps de la fin, nous sommes en train de découvrir simplement. Parce qu'on nous ramène simplement à ce que nous étions. Eux, ils étaient simplement dans la maison, ils ne connaissaient pas ce qu'ils étaient. Mais aujourd'hui, nous avons reçu le privilège de reconnaître ce que nous étions. Il n'y a rien de nouveau. Amen. C'est simplement la reconnaissance de ce que nous étions déjà, ce que nous avons toujours été. Le frère Branham nous dit que quand vous écoutez la parole, vous l'écoutez à partir de votre théophanie. Amen. Amen. L'enlèvement est une révélation. La date élue entendra la révélation. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse notre frère Gilles Koumbou. Nous allons chanter combien il est bon pour passer maintenant à la nourriture. Thank you.
prononcer un mot de prière pour conclure ce service. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Amen. De tout notre cœur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Pour ce beau dimanche que tu nous as accordé, Amen. À tes pieds, Seigneur, pour apprendre de toi, Amen. Pour communier, Seigneur, autour de ta parole. Nous te remercions pour cela. Seigneur, oh Dieu, nous prions pour les offrandes et les dîmes, Seigneur, que tes enfants ont apporté dans ta maison, Seigneur. Selon ta promesse, tu avais promis d'ouvrir les églises de ciel pour leur bénir. Accomplis, Seigneur, ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Nous remettons, Seigneur, ce moment de communion en ton bon sentiment. Bénis, Seigneur, oh Dieu, ce repas et la boisson qui sera servie, Seigneur. Et bénis richement, Seigneur, chaque personne qui a bien contribué, Seigneur, afin que ce repas soit servi. Merci, Seigneur. Nous prions pour cette œuvre, afin que cela puisse aller de l'avant, Seigneur. Bénis notre précieux frère Eric, Seigneur. Bénis l'Église et bénis tous les serviteurs de Dieu qui ont bien voulu, Seigneur, répondre à son invitation, afin, Seigneur, oh Dieu, d'avoir ce moment de communion. Bénis chaque personne, Seigneur, qui est venue de près ou de loin, Seigneur. Oh Dieu, pour assister à ce service. Comme nous allons rentrer, Seigneur, protège-nous ton chemin, Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu voudras, nous serons une fois heureux, Seigneur, de fraterniser autour de ta parole. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé ces bénédictions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Thank you.